Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TV du peuple RD Congo. Voilà mesdames et messieurs, voilà comme d'habitude, c'est une émission qui vous aide à connaître tout, en tout et pour tout, sans aucune embûche dans cette émission. Nous avons toujours cette habitude de décrypter la vie politique, la situation sociale, mais aussi culturelle, question pour nous de promouvoir notre culture ou encore faire de l'autopsie sur la situation politique de notre pays. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons un peu de parler des monsieur l'ex-ministre, l'ex-premier ministre Matata Ponyo qui vient de claquer la porte à sa famille politique, le FCC. Je vous ai dit autrefois que c'était monsieur Némé Mulanya qui avait claqué la porte au FCC et d'ailleurs qui a créé un mouvement qui projette d'ailleurs pour les élections prochaines. Et aujourd'hui, c'est Matata Ponyo qui claque la porte, mesdames et messieurs, au PPRD. Qu'est-ce qui fait ce que Batunyo se tourne dans la Kolongwa FCC? Les gens qui ont travaillé avec Kabila, aujourd'hui, tournent le dos à cet homme, Joseph Kabila. Pourquoi? Quelles sont les raisons valables? Je vous avais dit autrefois que Boudjouz Alamoutoumou Boboyazam Alamou, mais les personnes qui l'entourent ne sont pas là. Tout comme aujourd'hui, vous avez le contraire. Aujourd'hui, on est en train d'assister au démantèlement du FCC. Le FCC est en train de s'effilocher petit à petit. Et vous êtes en train de voir d'ailleurs. Ils ont eu à mettre une commission de crise. À la tête, il y avait Raymond Tshibanda. Cela n'a pas marché parce que beaucoup criaient trop sur Nimou Mulanya, Shadari, Emmanuel Shadari et les autres. Et quand Kabila était arrivé à Lubumbashi, on a envoyé Batou Ebele pour la Kokende Koulouka pour créer une commission de crise. Mais malheureusement, cela n'a pas marché. Ça patine toujours, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est Matata Ponyo, un gros poisson qui vient de quitter le FCC. Il ne s'est mis pas là. Puis, dans l'affaire, il y a Boukan Alonso. Alors, bien que Batou Oyo, Baza pour alimenter, dossier Wana, et ça, Batou, il y a PPRD, Batou, FCC. Et si vous suivez très bien dans ses dires, il n'est pas passé par les dos de la cuillère pour dénoncer les gens du FCC au Baza pour alimenter, dossier Naïa Boukan Alonso. Bien, Moko Gouébi, évolution en dossier Alonso Kendele, Jules Alinguet, Mokonzia, UGF. À sa banquette, c'est naïe pour la dossier Boukan Alonso a trouvé qu'il y a un bon rebelle et Liamaki. C'est-à-dire que Batou Oyo, Bazarakina, gestion et Mongwana, ils ont dilapidé tout un pactole, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ceux qui m'attendent à prendre à l'ombre, FCC est au PPRD, a remis que le balélo, que non, Batou y a PPRD, de Bazar pour alimenter dossier Wana Kindelibousso. Il reste à savoir, est-ce que Matata Ponyo, à sa qui impliqué dans Makamouana, et qu'on y a banana sous la procès. Et qu'on a fait un procès. Donc Kabila est en train de perdre le bras droit là. Quelqu'un comme Nenou Mulenya a tourné le dos à Kabila. Est-ce que esa stratégie politique il y a Kabila ou bien la Touana va quitter FCC en âme et en conscience? Attendons voir, parce que ma tête a fondu bientôt se créer un mouvement là. Comme l'a fait Némé Mulanya. Nakolonga FCC maintenant pour créer un autre mouvement où il est mon grand chef. Matata Ponyo sera pareil aussi. Maintenant, on ne sait pas est-ce que Kabila vous a la force du sous ya ko rebondir politiquement parlant en Boko Nabiso. To yebite. Moutouni ni ko Kabila vous dit qu'on préparer pour les élections prochaines. To yebite. Ce que vous avez fait, c'est que non, il y a sa crise, il y a des inconscients, il y a Kabila, Félix Tshisekedi. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que Kabila, il y a un peu perdre ma pionnière à ma casse. Les pionniers du FCC, le FCC, pour rejoindre l'Union Sacrée, il y a un peu de créer ma partie dans Bango. Il reste à savoir, dans le mouvement, il y a un peu de créer. Il y a allié à FCC, il y a allié à l'Union Sacrée, où ils seront uniquement indépendants. Parce que chacun a ça pour préparer l'élection prochaine au cas où il y en aurait. Au cas où il y en aura en 2023,
nous avons à ébi négri à co s'aligner dans ma campagne élection. Parce que matata pognon tant à l'ombre peut perdre à l'obinine n'a l'ombre pour des convenances personnelles. Bien que vous ayez dit, vous avez dit que vous avez dit objectif principal ou encore bi principal, il y a une décision pour des convenances personnelles. On ne se convient pas. Mais vous avez dit que 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 FCC, c'est pour vous avez dit que décision énorme pour vous avez FCC. Tout la suite. Et tu vois, Nini, ma tata Pogno, a ça qu'on préparait par rapport au mouvement naïe, Oyo, a qu'on créé Kalate. Mesdames et messieurs, Kalev Mutond, en fuite. Les lois de justice est lancée à vie des recherches. Pour Baluka, Kalev Mutond. Il n'y a pas trois jours. Kalev Mutond Zemo Kalobi, ba policier ba entouré Ndakunangaï. Mais grande chose est que les journalistes, il y a RFI, ba kiti sur terrain, ils avaient qu'il lobby. Et parce qu'il plévinait. Tant que ba kiti sur terrain, na Ndaku, il y a Kalev Mutond, na ma campagne, ba kouti policier ta moroté. Mais Yemo Kalev Mutond, dans l'obaki, Ndakunaï est entouré par les policiers. Qui dit mieux? A été convoqué presque deux fois. A été capable de répondre à ta convocation de mon côté. Mais nous, toujours, nous avons Kalev Mutond Hakimi. Est-ce que ils ont complicité? Il y a justice Nabiso. Tous les gens ne parce que c'est normal. Il y a Moutou Basso pour le Kisaye. Il a convoqué deux fois. A été répondre. Il y a un lobby dans la résidence surveillée. Deux jours après, tout le monde Kalev Mutond a été sous-souté. Justice est lancée à vue des recherches. Ce qui n'est pas normal. C'est incompréhensible. Ou bien il y a quelque chose qui se passe entre Kalev Mutond et la justice. Tout ce temps Kalev Mutond dans la Kinshasa, ça a été awa. Pourquoi Bakanga qui était? Donc vas-y quand attend Kalev Mutond à Kimi pour balancer avis de recherche. Faut fondre la mise. Soit c'est ça ma camisole, mais ma CC. Mais ma mise qu'on floue le peuple congolais. Ce que justice, ma camisole, on sort la contre Kalev Mutond. Ils ajoutent trompe œil. Chef de l'État veut instaurer un état de droit. Un état de droit est un état où nous devons respecter le texte Yamboka. C'est un état où nous devons côté à côté de l'icône et le texte Yamboka. Mais si aujourd'hui nous devons être intouchables à Yamboka, là c'est foulé au pied l'état de droit. Mesdames et messieurs, il faut que la Namakamou ou bien tout est bas. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tout ça, les fois, on a vu son nom. Pour tout est bas, situation où il y a Kalev Mutond, ils ont qu'une n'engénine. Ceux qui pèsent ma match, ils ont été amenacés. Tout est bas, Sabino, parce que tu es bas, Sabino, chaque fois qu'il te sera rendu pour recueillir des informations sûres. Pour que vous allez informer, la nuit, c'est ça, il y a un peu de cannabis. Voilà le soleil à Kalev Mutond dans les alliés. Tous ceux là, ceux qui ont gagné, ceux qui ont gagné, nous sommes en train d'attendre tout ça sur l'enquête pour tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, Banque mondiale et outils pour renouveler confiance dans le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, par rapport à la gratuité et à l'enseignement primaire. Banque mondiale a stoppé qui, Makambouana, a financé l'enseignement, gratuité et l'enseignement dans le monde de la. Parce que, je vous avais dit autrefois, le chef de l'État travaille avec des gens qui sont contre lui. Le chef de l'État travaille avec des gens qui lui jetaient des pots de bananes dans les pieds. Le chef de l'État travaille avec des gens qui lui mettaient des crocs en jambes pour qu'il a réussi à atteindre la vision de mon côté. Or, ce que le chef de l'État a réussi à atteindre la vision de mon côté, vous voyez que le peuple congolais tango à Kololaye, prochainement, il ne serait pas réélu. C'est pourquoi mon procès à EPST. Tant que Bandi Boué, Bakangi Batoupé, la monde du ministère public a requis 20 ans de prison dans Batou, oh, Bazaki, Nini, Nadossier Wana.
Les gens disent que non, justice et qu'on s'arrête ou on a été. Il faut que l'on ait la paix, ministre de la EPST, Willy Bakonga. Autrefois, je vous ai dit qu'en émission, que non, Willy Bakonga a créé une école fictive. Il y avait des enseignants fictifs. Parce que chef de l'État, chaque fois, il y a un état aux amants à maï et qui est au limon à l'état au coco taboloko. Tout le monde a qui a Vital Kamerhe. Ce que chef de l'État, c'est pour Vital Kamerhe. Attention, il y a Ibaki. Vital Kamerhe est à Kangamate. Mais si chef de l'État a dit que Vital Kamerhe est emprisonné, parce qu'il y a un Vital Kamerhe à Ibi, moi, il y a un côté de la parce que la justice doit être indépendante. Alors, ce qui est Willy Bakonga, bien exemple, toi, FCC, et qui est impliqué dans le détournement des lignes publiques, il doit être arrêté. Et c'est ça même l'état des droits. Voilà quoi, radieux. Donc là, Banque mondiale a décidé de renouveler confiance dans le chef de l'État, tu sais qu'il dit. Banque financière est sous gratuité et enseignement primaire pour que le peuple congolais, dans la vie, soit surtout bas CP là. Battant gratuitement, puis dans l'école au chef de l'État, ça retourne partout, et que ça va bien. Voilà ce qu'on est en train d'entendre, mesdames et messieurs. Chef de l'État, alors, chaque fois que ça va vision, il y a ma âme. Mais toi, pendant que ça va bien, c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, toujours chaque fois que l'Union Sacrée est comme Yohana. Autrefois, j'avais reçu. Le communicateur de l'Union Sacrée, Maître Joël Kitenge. Bilomoko Boyoka qui m'a comme Maloba qui prend l'Union Sacrée. Mais attendons pour tout le monde un résultat. Attendons. Voilà, mesdames et messieurs, par rapport à confirmation, taux de décision, il y a Banque mondiale, OASU pour la gratuité, il y a enseignement, Nambo Kanabiso. Jour 2. Bah député, bah kozonga na musana na bango. Rentrée parlementaire, ils ont confirmé pour ce 15 mars à 10h. Makambo, ils ont bah mesdames et messieurs, tokoye bah député si ko o union surtout bah kozina union sacrée est-ce que bah kozala musala ndenge esengeli toté. Parce que la majorité des députés, il y a FCC, Balomo FCC, Baké, Union Sacrée. AFDC était Union Sacrée. Et tant d'autres partis politiques, leurs députés bah, adhéraient à l'Union Sacrée. Voilà, ils avaient une vacance parlementaire, mais ça, c'est quoi le rentrée parlementaire, ils ont fixé pour ce 15 mars à 10h. Mais là, tu vois, la proposition est loi. Autre mandat que l'Ouka. Est-ce que tu vas voter en gros? Espérons que tu vas voter en gros. Espérons que vous votez un mot. Vous avez suivi président il y a cour de cassation. Alors qui ceux qui va député va voter loi pour la colombo la camo il y a immunité parce que immunité on a exact pour protéger va député Bélé exact pour protéger va ministre Bélé va gouverneur et autres. Nous avons sali Mabé parce qu'il a immunisé et comme eux, nous avons jugé l'été. Au commun avec les commissions, eux, et que côté la gare député, tout le ministre. C'est pourquoi, parce que nous avons député, si il y aura moyen de voter une loi pour la longue, pour la abolir, loi il y a immunité. Ce que l'on je pense, c'est que nous avons surtout dans la banque, nous avons l'État. Et ce qui est patent, c'est quoi? Ces gens ne votent que des millions de dollars. Pour voter, vous avez 10 000 dollars, 20 000 dollars, 5 000 dollars. C'est toujours des 3 millions, 6 millions, 5 à 7 millions de dollars. Non, il y a peu de Congolais. Et on a eu tout ça pour verser, tout ça pour foutre un impôt indirect. Mais même on a mis au peuple. Des gens qui ont mis au peuple, ils 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 ont mis au peuple.
alors qu'il suit chef de l'État, pour le Kakouma, pour faire étudier Bana et Bélé gratuitement. Mais il y a un peu de temps pour mépriser l'action chef de l'État. Il est grand temps pour le Kakouma. Il est grand temps chef de l'État pour la solution. Il est grand temps pour le député Union Sacrée pour la solution. Il est grand temps pour le surtout chef de l'État pour trouver la solution. Il y a bien pour que le peuple congolais ait un peu de bénéfices qui est en bas. Nous, là, on est ceux qui 3 ans, ceux qui 2 ans, étiquetés. Et puis, quand on a l'élection, tout le monde est après. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons besoin de nous faire. Je pense que tout comme il y a Souka, il y a. Moi, nous avons une information qui est bien. Tout le monde est sur le pour nous informer par rapport à la situation. Il y a un besoin de nous faire. Voilà, merci beaucoup, mon caméraman Joseph Balandaï. Merci beaucoup à Sefray Malandaï. Merci beaucoup à André Tepamandibou. Merci beaucoup à 20h Kapinga, merci beaucoup aussi à Véronique Malola depuis le Maroc, un partenaire infaillible. Merci beaucoup à Martin Tutendendibou. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec une autre actualité. Ciao.